bordel. J'ai rendez-vous à la visite médicale et j'aime pas parce que j'en ai pas de super souvenirs de mon enfance. Tu dois te mettre en sous-vêtements devant tout le monde. Et bien sûr, ce jour-là, le seul slip que tu as de propre, c'est le plus pourri. Je suis sûr que tu vois lequel. Celui que tu as dans ton tiroir depuis des années, que tu sais pas pourquoi tu le gardes. Et le pauvre, il est marqué par la vie. Et tu sais qu'il y a plein de gens qui vont te voir avec la honte. Et en plus, il fait toujours super froid dans leurs locaux. Et après un moment que je redoute. Et je devais te pisser à mort avant d'avoir ce pot de merde. Mais une fois seul avec lui, pas une goutte. Sûrement parce que après, je sais que je vais devoir me travailler avec mon petit pot de pisse chaude devant tout le monde. Et je suis pas fier. Alors que d'autres, ça les gêne pas, ils te remplissent le truc à ras-bord. Frimeur. Et en secondaire, j'avais un pote, il a pas compris ce qu'il devait mettre dedans. Et je plains les filles. À mon avis, ça doit pas être facile de viser dedans et ne pas s'en foutre plein la main. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais la bise. Et tu as aussi droit à un test de vue. Et à mon avis, je dois avoir l'esprit mal tourné. Quand je lis le panneau, je vois que des mots chelous. Et j'ai jamais compris comment tu peux avoir plus de 10 sur 10 à la vue. Ok, 10 sur 10, c'est parfait. Et 14 sur 10, t'es un aigle. Et tu vas voir, ils sont super équipés, ils ont des machines très high-tech. Et cette merde, elle te sert à te mesurer, à te peser. Encore un truc pour bien se foutre de ta gueule si t'es plein de complexes. Parce que si t'es gros, va bien dire ton poids bien haut et bien fort pour que tout le monde l'entende. Et après tout ça, l'examination médicale. Et bordel, les docteurs, c'est compliqué de vous chauffer les mains et le stéthoscope avant de nous toucher. Bordel, c'est froid. Et quand j'étais en primaire, personne ne m'avait prévenu que le docteur allait me toucher les boules. Ouais, ben ça surprend. La seule chose positive avec la visite médicale, quand elle tombe pendant les heures de travail, tu es super content d'y aller. Je ferai n'importe quoi pour rater des heures de travail. Quand vous avez fini, vous ramenez le petit pot à l'accueil. J'y arrive pas!